Salut à toutes et à tous les amis, ici Spartan ASMR. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouvel épisode sur Little Nightmare 2, pardon. Et on est donc sur l'épisode 4. Alors rappelez-vous, dans l'épisode précédent, l'espèce de... ce girafe nous a couru après, on a dû résoudre une énigme avec des échecs. Et on a réussi à échapper à la bande d'enfants là, en se mettant masque d'enfant sur le visage. Donc là, on est parti pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être le bouton. Alors, il y a un bouton activé, c'est sûr. Par contre, est-ce que j'aurais raté quelque chose? Non, il y a un bocal là. On peut peut-être s'en servir pour sauter plus haut, je sais pas. Oh, quel fils de chien, pourquoi il me l'a mis comme ça? Bon, ok, tu sers à rien. Ça. Parfait, on va faire attention de ne pas faire tomber les bocals. Il y a un cerveau dans ce bocal là, mais non. Le jette pas, mais lâche-le juste. Je sais pas trop ce qu'il faut que je fasse. Mais genre pas du tout en fait. Quel fils de chien, je te jure, quel fils de chien. J'ai fait exactement la même chose tout à l'heure, il a réussi et là je me suis foutré la gueule. Bon, alors. On est reparti. Alors je sais pas du tout à quoi ça sert. Enfin, pourquoi est-ce que je vais tout là-haut en fait, je sais pas. C'était bien le crochet qu'il fallait que je touche. Qu'est-ce que ça m'aura permis de faire? C'était dégueulasse. Qu'est-ce qu'ils veulent que j'en fasse? Je sais pas, j'en ai là, je sais pas du tout. Est-ce que je peux retourner au moins là-bas? Non, je peux pas retourner là-bas. Donc, à quoi sert ce cerveau? Forcément la bonne solution, ça je le sais bien. Elle a directement capté. Oh putain, pourquoi elle prend un couteau? Lâche-moi ça. Bon, j'ai déjà compris comment faire pour lui échapper.
faut que je passe à travers les... Oh putain, mais qu'elle s'est retournée. Elle sait que je suis là, elle sait que je suis là. Je lui ai échappé là. Ah, c'est un peu dommage que je l'ai échappé aussi facilement. J'ai pas moyen de la flinguer, genre de la tuer. C'est quoi qu'elle a tout là? C'est immonde. Et là, je sais pas s'il faut que je passe par derrière. Je pense pas, il faut que je passe devant. Ouais, devant, ok. C'est la sortie. Parce que là, je suis trop petit. Oh putain, elle fait un bruit effrayant, c'est violent. Qui se pose, c'est que comment je fais pour passer devant, mec? Forcément me voir. Qu'est-ce qu'elle cuisine? Casse-toi de là, putain. Laisse-moi passer.
suis coincé contre la caisse, putain. Je me suis coincé comme un connard contre la caisse. T'inquiète, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Baisse-toi. Merde, elle m'a entendu. Oh putain. Je pensais pas qu'elle allait tout casser comme ça. Eh mais mec, les passages sont pas faciles en vrai, hein, putain. Mais attends quoi? Mais attends quoi, faut savoir, tout à l'heure tu m'as pas entendu et là tu m'as entendu direct. C'est insupportable, c'est trop stressant, c'est oppressant en plus, parce que la meuf est vraiment dégueu. Ok, je vais essayer de me planquer là. Pourquoi elle va là-bas? Ça m'arrange moi. Ah, ça m'arrange beaucoup du coup qu'elle fasse ça. J'ai pas trop compris ce qu'elle vient d'écrire sur le mur. Enfin, sur le tableau plutôt. J'aille en haut. J'espère qu'elle va pas tomber comme l'autre armoire. Non, parfait. Ok, nice. Ok, la pression qui redescend. Oh les bâtards. J'ai pas réussi, j'étais coincé comme un con. Ah, salopard, putain. Et ils sont chiants avec leurs petits arrêts de merde là qu'ils font. Dans ta gueule. Allez, viens, je t'attends. J'espère juste qu'il n'y a rien d'autre. Ok, parfait. On continue, on avance, on avance. Je m'attendais à ce qu'elle fasse.
Ça, c'est un piège. Lâche, s'il te plaît, lâche. Qu'est-ce qu'ils font? Je vois bien qu'il y a un des... Ah non, c'est mon collègue. C'est mon ami. Merde, j'ai lâché un truc. Ah, j'ai eu le seum. J'ai eu le seum. Putain, en fait, je sais pas trop ce que. Je pensais qu'ils allaient le lâcher, que j'allais devoir le rattraper, mais non, c'est pas ça. Ils vont juste me sauter dessus. Comment je fais pour couper? Ah, il faut que je casse, mais il va se casser la gueule. Il va se tuer. Ça me rassure de plus être tout seul. Est-ce qu'il va bien? La musique est très belle. Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés ici d'ailleurs? Dans cette espèce d'internat bizarre, d'école bizarre. Orphelinat, ou je sais pas trop ce que c'était. Mais mec, tu sens que ça pue la merde. Même moi je le sens. Oh yes, putain, c'est bon. Alors bonjour. Oh, fais plus jamais ça. Putain, il m'a fait peur le con. Est-ce que je peux faire. Avec ce piano, putain. Peut-être que je monte à la corde. Donc maintenant on est deux, donc est-ce que peut-être. Ah, putain, je suis méga haut, mais je sais pas ce que j'ai à faire. Je pense qu'on est assez haut là, non? Ok, non, c'est coincé. Espèce de nana tout à l'heure là, j'espère qu'on va pas retomber avec elle parce que j'ai pas très envie de la revoir là, madame. Allez, vas-y, fais-moi la courte échelle. Parfait, c'est un génie, c'est un génie. En train de faire du bruit avec le piano. Tire sa mère. Ah, c'est bon, tu peux passer, frère. Ah, la grenouille, elle est en train de la... Elle est en train d'éventrer la grenouille. Pourquoi est-ce qu'on allait ici, d'ailleurs? Ah, mais non, attends, il y a une clé, là, non? Clé, je l'avais pas vu. J'avais pas vu la clé. Et donc maintenant, on peut ouvrir logiquement cette porte. Bam. Ah bah écoutez, voilà, qui
Ça me fait peur là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est très beau d'ailleurs. Les personnes qui jouent de la musique ne peuvent qu'être que des personnes comme nous. Ah non, ok, la courte paille, enfin la courte échelle, pardon. Oh putain, non, c'est. Non, ok. C'est effrayant le bruit. Ça servait donc à ça. Allez, tire avec. L'ambiance de jeu est vraiment cool en vrai. Oh, putain. Non, c'est pas forcément des bonnes personnes qui jouent piano en fait. Le but, ça va être de la tuer en fait. Il faut qu'on arrive jusqu'à la manivelle en bas là. Et ça va tomber. Et ça va la tuer. Oh, par contre, je risque de faire énormément. C'est le genre de truc qui fait des trous complexes à tête. Allez, let's go. Allez, allez. Non, ça tombe clairement pas sur sa tête en fait. C'est juste pour aider notre pote à passer. Pas que c'est ça. Oh putain non. Il faut que je prenne la caisse. La caisse qui est ici là. Vais attendre qu'elle joue son nouvel accord. Donc là. Ça devrait être bon là normalement, non?
tellement concentré, elle m'a pas entendu. Ouais, je suis à fond là. Ok, bouge pas, bouge pas. Désolé, j'avais un petit problème technique, donc on reprend la course poursuite, c'est parti. Mais normalement, elle peut pas aller aussi loin. C'est pas possible d'aller aussi loin. Oh putain, le stress quoi. C'est bon. Qui glisse sur les murs et tout, non, c'est vraiment cool. Bon, par contre, j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce mystère avec les gens qui ont complètement disparu. Et la dame qui a une espèce de. Ouais, de coup de girafe là, non, c'était pas nécessaire. J'ai slidé, t'as vu? C'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Ça se ferme. Parfait. Je suis un génie. Je suis un génie. Je suis un génie du mal. Sorti de cette putain de d'orphelinat avec les espèces de d'enfants poupées bizarres là. Regardez, même ce mur il est effrayant, dirait ça un visage. Ok, on peut passer ici. Qu'est-ce donc? C'est bien lumineux pour un objet aléatoire. Super style, t'as du flow là.
Succès avec ça. Ce que c'est que ces petits personnages. Apparemment, ils sont détestés du monde entier. Parce que le monsieur voulait nous capturer et la dame voulait nous manger. Donc, je sais pas, c'est étonnant. Ça se trouve,